les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, je vais vous dire bonjour les amis, j'espère que vous allez bien parce que je reçois souvent les messages par les garçons qui me suivent également, qui me disent mais pourquoi non, tu dis toujours bonjour mes chéris, mais alors que nous on est présents. Bah écoutez, bonjour les amis, que ce soit les garçons ou les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon ramadan, que ça continue à être bénéfique pour vous. Au bout de 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo, franchement j'avais pas l'envie parce que les vidéos c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps à passer, c'est le temps que je perds pour faire autre chose au niveau de mon travail, etc. Mais bon, ça reste une passion. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et abonnez-vous, c'est gratuit. À la base, dans mes vidéos, je vous dis pratiquement jamais abonnez-vous, etc. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient que ce n'est pas méchant, que vous, parfois on ne pense pas à mettre un pouce bleu, mais pour moi un pouce bleu ça me permet de voir que vous aimez telle vidéo. Donc voilà, tout simplement, aujourd'hui je vais vous présenter les kimonos fait sur mesure en France par Sabrina. Sabrina c'était une abonnée qui a créé sa marque. Je ne suis pas payée pour vous faire cette vidéo, je la fais vraiment pour vous partager une femme courageuse qui travaille, elle a un travail et aussi elle a créé sa marque à côté. Suivie depuis longtemps, j'adore les femmes courageuses, les femmes qui se lancent, même si on tombe, on peut se relever. Souvent, je vous propose des looks sur Instagram, qui est la beauté du désert, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait plaisir. Du coup, vous me posez souvent la question, où est-ce que tu as acheté ton kimono? En ce moment, je porte les kimonos de chez Sabrina. Souvent, l'avantage avec Sabrina, c'est que par exemple, vous pouvez choisir le tissu, choisir le modèle. Par exemple, si vous voyez un modèle qui vous plaît, vous pouvez la contacter, vous lui dites tout simplement que vous aimeriez avoir ce genre de kimono. Vous avez les pièces qui sont un peu chargées, les pièces qui sont très simples pour tous les jours, avec un jean, avec une robe. On peut le porter vraiment avec tout. Il s'est fait de rajouter des accessoires. Donc, restez jusqu'à la fin, mes chéris. Il y a une petite surprise pour vous, laquelle vous allez gagner un des kimonos. Voilà, pour vous faire plaisir pour l'Aïd. Donc, je vous donnerai tous les détails concernant le concours à la fin de la vidéo. Donc, voilà, on passe tout de suite. Je pense que je vais commencer par à droite. Donc, on commence tout de suite par ce kimono que j'avais porté sur Instagram. La couleur un peu saumon, corail, voilà, c'est frais, c'est très joli pour le printemps, été. Vous les verrez porter à la fin. Donc voilà. Alors j'ai un gros coup de cœur pour ce modèle qui est très très joli. Franchement magnifique. Là vous avez juste ici le tissu, voilà, très très fluide. J'aime beaucoup cette couleur, franchement j'adore. Voilà, très très joli, vous le verrez aussi porter. J'aime beaucoup celui-ci, très très joli, la couleur elle est magnifique. Donc voilà, très très joli, j'adore la couleur, elle est magnifique. Franchement, j'adore cette pièce portée avec une petite robe ou avec un jean, un petit haut simple comme moi je suis habillée aujourd'hui. Vous allez voir, avec le haut et le jean que je porte, je vais porter tous les kimonos et ça passe pour une soirée par exemple. Alors là, c'est magnifique. Celui-ci, vraiment pour une fête, pour une soirée, etc. C'est vraiment très joli. J'ai cette pièce aussi également qui est très jolie, très frais. J'aime beaucoup ce modèle. Donc voilà, ça, ce sont par exemple les pièces que vous pouvez porter pour l'occasion de l'Aïd, etc. Si on a une ceinture nouée au niveau de la taille, sinon vous pouvez choisir une ceinture de votre choix. Alors, j'ai également ce modèle-là. Ça, c'est un modèle que vous pouvez porter toute l'année. J'adore la couleur. Elle est juste magnifique. Porter avec un petit sac en paille, voilà, même pour aller au travail, pour l'été, à la plage. Vraiment, les kimonos, c'est ça que j'adore. C'est une pièce qu'on peut porter comme on le souhaite. Maintenant, à cette pièce. Donc, c'était une pièce qui pas transparente. Tous les kimonos que je vous ai montrés, la plupart, ils ne sont pas transparents. Après, voilà, il faut mettre un jean, il faut mettre un pantalon et une robe longue. Donc, voilà, il est redoublé, comme vous le voyez. Pas mal du tout. Très joli, porté pour une occasion. Moi, il y a des pièces, je suis capable de les porter la journée, ça ne me dérange pas. Vraiment, j'aime beaucoup, mais là, c'est très, très léger. Pour l'été, c'est vraiment sympa. Moi, ce genre de pièce, je peux la porter tous les jours et aussi à la mer. Elle est transparente avec le maillot, par exemple.
Voilà, très joli. Également, j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous allez voir, mais légèrement pailleté, très très naturel. Vous avez également la ceinture. J'aime beaucoup la couleur, c'est les couleurs nude, c'est très joli. Voilà, je vais vite parce qu'après vous allez les voir porter. Voilà, j'aime beaucoup cette pièce également. Après, encore une fois, vous pouvez choisir le tissu, vous pouvez choisir le modèle, et ce sont des pièces uniques. Oh, j'adore, j'adore vraiment. Franchement, j'aime trop. Vraiment, j'aime bien. Vraiment, vous voyez, j'aime bien. Très joli. Voilà, vous pouvez pareil mettre une ceinture. Très joli. Franchement, c'est joli celui-ci. Celui-là, vous pouvez porter pour tous les jours. Hein. Il est vraiment très joli. J'ai la ceinture. Donc, il y a les kimonos qui procèdent une ceinture. Et il y a les kimonos que vous pouvez rajouter une ceinture par vous-même. Donc, voilà, très joli également. J'ai un coup de cœur pour ce kimono, le tissu il est vraiment sympa, vous n'avez pas besoin de repasser, vous avez les kimonos qui tombent, le tissu vraiment très doux, pas besoin de repassage, ça c'est la vie, pas besoin de repassage, ça c'est vraiment la vie, parce que le repassage, mon dieu, donc voilà, très joli celui-ci, vraiment j'aime trop. La couleur, il possède une ceinture également. Beaucoup ce modèle également. Franchement, il est très joli. Par contre, celui-ci, il n'y a pas de ceinture. Mais vous pouvez rajouter 3 ceintures. Vous pouvez rajouter une ceinture de pièces parce que franchement, quand vous n'avez par exemple pas envie de vous habiller, et voilà, il fait frais légèrement, vous pouvez juste rajouter une pièce comme cela et vous êtes tranquille. Beaucoup cette pièce. Vraiment magnifique. Oh, elle est vraiment jolie, elle me fait penser un peu au travail, un peu, voilà, les kimonos un peu marocains, abaya, voilà, c'est très joli. Porté avec une banane, donc voilà, il est très joli également. J'aime bien le tissu, ça fait un peu kimono, un peu japonais, etc. J'aime beaucoup le tissu, vraiment pour le printemps, été magnifique. Si vous êtes toujours là, bébé, je vous laisse tout de suite découvrir les pièces. Porté.
D'essayage, j'ai terminé ou presque. Il me reste 3 kimonos. Entre vous qui va gagner l'un des kimonos, je vais vous montrer les 3. Après, vous choisissez la couleur. Voilà, j'aime beaucoup la couleur aussi bordeaux. Elle est vraiment très jolie. Hop. Et vous avez 7 colorés, donc le blanc marine que j'adore aussi. Et le noir également. Je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram pour participer au concours. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Et voilà, tout simplement.